Allô, Monsieur le Président, je suis Monsieur Maître Bisselo Eric Ndossimaou, acteur politique engagé, politologue, également entrepreneur, donc citoyen très très actif dans la société, qui a, après cette série de consultations, avait quand même dans la perspective d'un Congo qui redémarre, qui repart et qui entreprend, dans l'idée que vous nous sortirez de cette série de consultations par des objectifs clairs, mettant de côté les guéguerres politiques, parce que c'est ça qui mine actuellement non seulement l'économie qui est déjà mise à mal par le Covid-19 et la crise internationale, mais également à savoir cette insécurité permanente psychologique, à savoir à la fois des mouvements des partis politiques qui sont en dehors, inciviques, je vais dire, qui sont en dehors des règles de droit et qui parfois agissent de manière contraire à la République et à la démocratie. Donc ce que nous espérons, nous les politologues, c'est que vous qui êtes le garant des institutions, vous qui êtes le chef des armées, vous qui êtes le premier citoyen, le premier des magistrats, vous nous sortirez de cette crise en nous mettant en place, déjà une justice des citoyens, une justice engagée, une justice impartiale et une justice qui fonctionne selon l'esprit de la Constitution, de un. De deux, que vous nous sortirez à la fois des acteurs politiques, surtout les députés qui ne fassent pas partie d'un clan ni d'un groupe politique, mais qui fassent partie de la nation congolaise, et que ne vous laissez pas prendre en otage par des partis politiques, par les aspirations personnelles de certains acteurs politiques qui, en mal de positionnement, conseilleraient le chaos plutôt que les espoirs par rapport à l'avenir. Donc, Monsieur le Président, nous espérons, nous, en tout cas politologues, sortir de cette crise en respectant les institutions de la République, en respectant la vie humaine, en respectant les libertés des Congolais, en respectant surtout l'avenir de la République démocratique du Congo. Allô, Monsieur le Président, c'est à vous.